Ça a fait comme on est là, bienvenue sur la plateforme Léonard Choa. La vie haïtienne en Mexique, je dis à nous qu'il y a un jeune DJ avec nous là et qui passe sur la plateforme là pour capable parler de un programme qu'il a bien pour le faire dans le week-end qui a fini là, qui c'est 4 août 2024. Mais avant tout, nous pourrons faire un petit dialogue pour nous capable connaître qui est ce qui DJ a vraiment. Moi-même, personnellement, c'est la première fois que m'entendez parler de monsieur, me reconnaître monsieur face à face. Alors, amis, ça a fait deviner sur la plateforme Léonard Choa. En forme, Léonard Choa. So, je suis content aujourd'hui là, dans une interview et parler quelques bagailles dans Mexico et parler des business haïtiens. Je suis vraiment content. Ok, avant même que nous arrivions dans le programme que vous avez pour faire, qui c'est un birthday. Un birthday party. Et comment vous faites atterrir dans Mexique, frère? Bon. Atterri dans Mexique, on t'a vivre Saint-Domingue, so qu'on la vie Saint-Domingue pas très tellement confortable, so m'obligé prendre route Mexique là pour me venir. Mais à propos des fonctionnements, so me crois que j'ai 10 mois là m'a vivre, so nous a organisé plusieurs programmes et ça va la troisième édition non. OK, combien de temps tu fais en République Dominicaine? 1 an. République Dominicaine on fait 1 an. Yeah. Comment tu te sens atterri même? Bon, comment et dominicain, so à propos des immigration, mais pas vraiment un bon traitement. Et qui ça qui te cause de quitter Haïti pour aller en Caraïbes voisin? C'est par rapport au fonctionnement pays. Et qui est où Haïti? Et nèg Delma 33. Delma, est-ce que vous avez chaud dans mon déplacé? Capable de dire oui, parce que quand on a monté descendre dans barrière DJ, son parent pas très mais j'ai comme ta fonctionné et puis on était vraiment Saint-Domingue. OK, comment on fait devenir DJ même? Bon, DJ capable dire aussi par rapport de l'autre DJ Taco Valmix et l'autre gros DJ Tony sont suivre et qui cause que m'apprendre des DJ c'est un bagage que moi m'appelle toi. OK, mais combien de temps gain depuis fonctionner comme DJ? Depuis en 2017. 2017. Yeah. OK, est-ce que vous faites bon exploit dans DJ? Yeah. En pile. Alors mon cas vivre des DJ. En pile. Okay. Qui ça a besoin comme critère pour un cas devenir DJ? Est-ce que c'est un côté ou à l'étudier pour ça ou c'est juste par routine? Bon, j'ai l'école pour ça. Moi-même, je suis apprenant. So, c'est par rapport à des gens que je me je travaille sur lui. Ok, qui cause que moi-même, je viens de pour un petit gens. Je ne dis pas que je suis mais je suis tête. Ok, mais depuis que je suis pour mettre grand maille, so, je suis devenu un bon DJ. Ok, il faut que je focus sur ça que je fais. Mais est-ce que le coût est cher pour un monde devenir DJ? Pas vraiment. OK. On aime des matériels par exemple. Ah, matériel que m'a servi là, on capable de le vendre $800. $800. Yeah. US. Yeah. OK, on parler de programme là avant nous arriver plus loin dans l'interview parce que faut nous parler de Mexique là. Yeah. Et programme là, c'est 4 août. Qui ça cap gain là-dedans? Yeah, programme là c'est 4 août, c'est birthday moi et y a tout gain piscine dedans. OK, so nous faisons programme là pour tout le monde venir jouer ensemble avec moi parce que on connaît dans moment là on stress si bébé one. So c'est raison ça qui cause que me la programme là. Combien de programme là et à qui exactement la fait? 200 personnes. Programme là commencé à 5h pour X. OK, comment on va la guitare là dans dossier 4 comment ça? Bon, on connaît so en pile haïtien a dit on va pas tant pour aller pour aller dans gain problème mais nous gain sécurité venture un petit gens banal. So on a géré ça. Et nous avons Don Peter qui a tout capé de nous gérer 24 ans. Oui, nous avons salué Don Peter Multiservice que nous trouvons actuellement là. Mes amis, pas oublier. Yeah. Et je fais plus d'interviews avec Don Peter déjà parce qu'il prend service nous là. OK? Et vous dites que c'est la troisième édition? Oui. Yeah. OK, comment les premiers ont été passés même? Premier, c'est avec DJ Nal que nous avons fait. So, c'est un bel programme. Après, nous avons participé. Deuxième, c'est dans l'autre piscine. But, t'es bien passé toujours mais ça on croit que l'a bien passé quand même. On croit déjà là me font promotion pour lui parce que monsieur t'ai contacté mais est-ce que monsieur ici ou bien il est en non monsieur pas vivre ici non c'est pas vivre ici il vient jouer ici. Il vient jouer ici. Côté monsieur vivre. Monsieur a vivre USA. Ah OK monsieur t'ai vienne jouer. Tu t'ai contacté nous comme t'ai posté et programme ça vraiment. Alors tout mon invité et 4 août et qui a venir là bon peut-être qu'il y a monde qui a regarder vidéo après mais ou même qui voit vidéo avant 4 août et nous déjà attendons des informations. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez adressé tout ça? Le numéro, je ne sais pas vraiment connaître la tête maintenant. So. C'est ce numéro, c'est ce numéro. En attendant, répondre à quelques questions. Et qui est la raison capable faire entre Mexique, République Dominicaine et Haïti en termes de vivre? Ok, je suis capable de dire ici un bon vie. Ok, à propos des gens
et Dominique a fonctionné ensemble avec haïtien pas gagne immigration qui a couru dehors pas une police qui a bon problème so à propos du bail en manger so parce que bon bon vie seul bagaille qui a stressé mon ici c'est bagaille CBP on là CBP là tout pour vivre tranquille tranquillement ou bien numéro ya pas numéro numéro c'est plus 52 962 176 0320 OK nous t'en numéro et alors tout le monde invité dans programme là. Rêve là, rester au Mexique ou bien entrer aux États-Unis? Non, entrer aux États-Unis. Mais André pendant que là, ma créativité. Ok, qui ça qui cause ou fait 10 mois jusqu'à présent pour rentrer? Et chaque groupe nous fait son groupe écrasé. C'est raison ça qui cause que moi rester ici en toujours. Tant que les mon yo fait groupe yo, yo t'a donc ces bagages sur écrasé groupe. Okay. C'est raison ça qui cause que là. Groupe là dans combien mon ligne là actuellement? 3 mon. 3 mon, c'est au même ensemble avec l'autre des monde. Yeah. Et combien temps nous que là dedans là? Capable dire nous avons 22 jours sur 22 jours. Yeah. OK, si toutefois des messieurs vous attendez si bibi on camper pas gagner entrer encore, est-ce que ça va affecter en ville? Bon, m'a dit que là va affecter. Non, mais là bon un petit problème quand même. So, capable dire si messieurs m'a vivre quand même. Va vivre quand même. Yeah. Qui monde capte nous États-Unis? Maman. Maman est rentrée. Maman était passé ici là ou bien? Oh oui, dans 2021. 2021, l'état vu Chili Brésil? Ya. OK, bon là c'est tout pour qu'on rentre. Qui l'autre femme nous vient là-bas encore? Bon, mes amis, famille, ma tête, tout ça. OK, si toutefois vous arrivez à entrer aux États-Unis, comment ça va? Qui rêve? Qui projet? Bon, rêve que je gagne, c'est toujours à propos des DJ et je suis en barbeur tout. Et je suis en cheveux et dread. So, vous avez l'autre rêve toujours, OK? OK, dans DJ haïtien, qui DJ préféré? Qui modèle? Préféré, c'est Valmix. Valmix, c'est modèle. Ou même si en pile? Deuxième, c'est Tony Mix. Tony Mix? Yeah. Parce que Tony Mix était le premier. Non, Valmix, il y a un peu vibe Valmix. So, moi, je mets Tony Mix pour animation. Animation. Yeah. Au niveau international, DJ préféré? DJ préféré, c'est un DJ Karaba, un DJ africain. Et c'est populaire un peu? Yeah. C'est bien la vie. Avec un DJ, le DJ Lady qui a essayé ça, moi-même un peu. Ok, il y a un peu de monde qui connaît une tendance pour un DJ comme une profession vagabondage. Est-ce que vous considérez comme ça? Non, DJ pas une profession vagabondage. So, soit fait en réception a bien besoin de DJ soit font mariage a bien besoin de DJ OK c'est pas forcément l'oral dans pour body yo dit me c'est bail vacabon non OK so DJ en parce que t'es pour la donne si ou même qui pour conformité tout non façon pour monde pas juger mal OK ça veut dire DJ a pas seulement musique rap mesdames tout tout ni a danser faire vidéo rap bail ça ça veut dire monde non mariage capable de besoin DJ qui pour les musiques soit pour les yeah. C'est même genre dans une radiation yeah. Quelque soit activité soit quand ils sont DJ qui pour assurer musique là à l'aise moi pense que c'était un autre professionnel différent dans le domaine non qui monde qui fait comme ça bah il pas jouer tant pour tant dans ce là mais il joue tant dans zo compas tout ça parce que il gain monde so yo tant qu'on considérer tête yo non l'autre niveau bah il pas jouer tant pour bah Rabodai, puis bah gangster, c'est bah zouk, et c'est l'autre bah normal yo. Bah normal. Yeah. Ok. Alors, yon jeune capable voulait devenir DJ, puis c'est ça qu'il remet, il est capable de devenir. C'est pas grand. Yeah, mais DJ c'est pas en profession. Ok. Pas en profession? Non. Qui ça DJ exactement? DJ c'est comme si c'est un ensemble et tant qu'on est capable de dire des musiques, so, ou même personnellement on aime musique, pas vrai? So, ou qu'a devenir un DJ? Vous voulez dire que dans le monde, il n'y a pas l'école pour devenir DJ? Il y a l'école. Mais c'est pas l'école, c'est une profession. C'est une profession, non. DJ pas profession. Mode de vie? Oui. Yeah. Mais tu dis, mal chercher information sur lui. DJ pas une profession? Non. Voilà, ça c'est nouveau pour moi, pour tout le monde qui a regardé là tout. Yeah. Même pas que un DJ, c'était un professionnel. Non, il y a une profession, il y a professionnel. Là, on parle de professionnel. Okay, le monde professionnel, excusez-moi, qui est professionnel, mais il pas en profession. Yeah. DJ pas en profession. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, DJ pas en profession, mais les gens, comment on a défini DJ? Bon, définition, il est échappé. Moi, je vais vous dire, il est échappé, mais ça fait un bagage. Oh, on a bien une définition. Donc, yeah. DJ pas en profession, mais on est capable de professionnel. Là. Ça, c'est vraiment intéressant. Yeah. Alors, et la guerre réseaux sociaux, côté monde qui est capable de suivre. Bon, et non, c'est DJ Snoop is the God. So, Instagram, TikTok, Facebook, tout côté net. DJ Snoop is the God.
Est-ce que vous faites live sur net là pour toi? Chaque soir. Chaque soir sur TikTok. Yeah. Intéressant. Combien de monde qui est sur cette plateforme? Il y a 16K qui est sur moi. 150? 16K. 16K sur TikTok? Yeah. Et 4K sur Instagram. Instagram. Facebook en bas, vraiment vérifié. Ouais, vraiment vérifié sur. Ok. Alors, qui projet? Est-ce que vous comptez devenir un artiste? Par exemple, avec Tony Mix, c'est pas seulement DJ, mais faire musique. Vous avez un projet ça? Il y a un peu de pile. Et qui est-ce qui est fini là? Et pas un projet non, c'est un artiste que moi, mais un film là, mais yo. Les produits qui sont en situ. Vous avez mis en situ pour tuer. Yeah. Comment pensez-vous que la connexion a fait? Je ne sais pas si à propos des vibes, les gens qui ont géré le contact qui ont fait que je suis entré en contact ensemble avec elle. Mais nous ne pouvons pas à chaque fois que je suis on les conseille pour moi, pas vraiment bien. On parle comme si déjà. Yeah. Ok. Alors, nous avons demandé, s'il vous plaît, en édition de ça, gagner plus de popularité sur la plateforme Nickel Bay déjà. Et pour que un site capable ou elle parce que si pas mettre en milieu ou pas lever en tête ou non quoi dans tête moi bien ya et bien d'accord fois merci d'être côté passé sur plateforme Léona Choa déjà n'a fait mon invitation encore et pour programme là qui a fait 4 août 2024 là dans pays Mexique dans Mexico City yeah. Tout le monde invité pas oublier passer sur plateforme tout au cas affichant et avec localisation tout là dedans ya là va afficher dans vidéo. Ok. Alors, c'était un plaisir parce que nous avons croisé dans l'autre occasion. Oui, ok, pas un problème. Merci un peu.